traîne un petit peu sur les lignes basses là parfois, Anas Reichelt, il ne reprend rien. Terrible chute d'Anas Reichelt, propulsé dans les filets au même endroit que Georg Streitberger. Et puis juste là, à l'impact, hein, juste à la réception, là, ça c'est terrible. Plomb, un silence de plomb envahit l'air d'arrivée ici à Pitbull. Les 45 000 spectateurs qui hurlaient à gorge déployée se sont tus d'un coup. Décidément, le ski autrichien n'est pas épargné. Hein. On sait que les Autrichiens s'engagent toujours énormément, mais là, Reichelt, c'est quand même le leader de cette équipe. Jean-Pierre, un garçon d'expérience, un ancien vainqueur sur la Streif. Et là, on a compris que les choses étaient peut-être graves pour Anas Reichelt. Là, il règne un silence, une atmosphère terrible ici dans l'air d'arrivée. Ouais, t'as pas l'air de... Terrible chute sur l'impact. Il vient vraiment remordre au niveau de la carte. Ça, c'est à droite, c'est Karl Schranz, la légende du ski autrichien. Exactement, avec Hans Poom. Hans Poom, le patron du ski autrichien à sa droite. Ah. Là, les mines sont graves. Et d'ailleurs, de manière très pudique, le réalisateur ne nous a pas montré la chute. Ah, si, il est debout. Voilà. Il est debout. Il est debout, Anas Reichelt. Incroyable. C'est quand même un guerrier, hein, ce Reichelt. Ah, hyper solide. Lui non plus. Costaud. Il n'avait pas le gilet, mais en tout cas, où il est assez bon, c'est qu'il vient percuter les filets avec le dos, apparemment. Donc, ça. Voilà, par contre, le genou, ça a l'air d'avoir tiré quand même un petit peu. Voilà. Et maintenant que Reichelt est debout, on peut repasser l'image de cette chute. Voilà, ça se passe à la réception de l'Ausberg. Ouais, exactement. Petite faute de quart ici. Clac. Et là, il se fait propulser directement. Mais c'est plus un problème de visie. Hein. C'est qu'on voit pas bien le terrain. Il vient marquer son appui juste au moment où il y a une petite compression. Par contre, où il est très fort, c'est qu'il vient vraiment percuter avec le dos, avec le dorsal, les filets. Ils sont maudits, les Autrichiens, cette année. Bon, apparemment, Reichelt avait l'air debout. Est-ce qu'il sera présent à Garmisch le week-end prochain? On l'espère. Hein. Ouais, pour l'instant, en tout cas, vu l'impact qu'il prend, il est déjà debout, ce qui est même incroyable. C'est incroyable. Streitberger, on le rappelle, lui a été évacué en hélicoptère. Là où il est fort, c'est voilà, il tombe uniquement sur la dorsale, ce qui amortit l'impact complètement. Et puis ensuite, là, il vient bien se mettre en boule. Et c'est vraiment le dos, voilà, il se regroupe au maximum, position de l'œuf. Pour, se prépare.